Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 4 avril, il est 20h57. Je me suis réveillée 16h45, j'ai remis mon réveil, je me suis endormie, levée 17h10, sortie du lit 17h15, 20, voilà. J'ai sorti les chiens, là je sors de la douche, hein. Désolée pour les cheveux pas secs. Toi, je t'avais dans ta cage. Désolée, avant que j'ouvre le vlog, Melba a attaqué Canel. Voilà, Melba attaque tout le monde en ce moment pour la protection de ressources. Parce que quand Madame mange, elle fait des miettes dans la cage pour se faire des réserves. Canel a eu le malheur d'aller manger une miette. Je sais que t'as fait une bêtise, hein. Et la crevette l'a attaquée. Voilà. Le fondant du jour, c'était donc citron meringué. Voilà, Jen. Aime bien. Aime bien. Et il faut que je montre Jen parce que Thomas, il désespère. En train de bouffer. Non, j'attends que t'aies fini de bouffer ta viande. Parce que je lui ai dit, elle n'est pas présentable des fois. Il fait, mais pas présentable. De toute façon, on s'en fout. Elle va avoir les chevilles qui enflent et tout. Elle est en train de se recoiffer. Sort de la douche aussi. Hein, elle sort de la douche. Ouais, mais vient de regarder The Power que moi, je me suis endormie. Encore. Non, c'est qu'en fait, je suis bloquée du dos. Ouais, je me suis bloquée la dorsale. Oui, la dorsale, oui. Le côté droit, je suis bloquée. Donc j'allais prendre un petit doliprane, quoi, un doliprane sur ce coup-là, c'est pas mal de crâne. Juste parce que j'ai une. Bah, je suis bloquée, donc on va prendre un petit truc. Non, je vais pas prendre un tramadol, ça me fait pas d'effet. C'est juste en gros pour essayer de calmer la douleur et voir si ça peut décontracter un petit peu. Ça marche sur les courbatures, donc pourquoi ça ne marcherait pas sur une petite douleur? Non, elle est assez monumentale, la douleur. Et j'ai mal à la lèvre. Là, j'ai mis du labello, mais en fait, là. Vous voyez, là, comme la lèvre, on a l'impression que la lèvre est fendue. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, je me souviens pas avoir eu une gerçure là. En fait, c'est comme si on m'avait pété la lèvre. La douleur, c'est comme si on m'avait pété la lèvre, en gros. Trop bizarre. Oui, je me réveille cassée, moi aussi, avec la lèvre en vrac, le dos en vrac. Allez comprendre. Je n'ai pas tout suivi à l'évolution de mon corps, mais comme je vais dire, moi aussi, le mode vieille est activé. Après une nuit blanche, les courses, action, Auchan, voilà, il est Non. 21h. Il est 21h, désolé, comme la fenêtre est ouverte, vous entendez bien le clocher. Il est de ce pas la fenêtre. Non, bah, tu vas aller au fumoir? Oui. D'accord, on va au fumoir. Je peux pas là. J'ai lancé une machine à laver. Parce que comme on est jeudi, je dois changer mes draps. Je ne pouvais pas laisser mes draps traîner dans la salle de bain. Donc j'ai lancé la machine, oui, avant 20h30, j'ai lancé la machine normale. Mais bon. On s'en fout. De toute façon, ma voisine qui touchait mon appartement n'est plus là. Paix à son âme. Et mon autre voisine, elle n'entend pas, puisque c'est la voisine de palier. Puis c'est un Elle problème. est partie, je crois. Non, elle est rentrée. Ah, elle est rentrée. Bah, Elle tout est à l'heure, rentrée. quand tu dormais, Ah, elle est elle m'entendait. repartie? Bah, je ne sais pas si elle est partie Ah au non, tout à l'heure, bureau. elle est rentrée, parce que quand je promenais les chiens, sa télé était allumée. Elle est à 8h15. Bon, bah, elle est repartie alors. Non, Je sais pas. Elle revient, elle repart, elle revient, elle elle repart. fait Elle ça. comprend, je ne sais pas. Voilà. Les chiens ont mangé, sont sortis. Moi, ce soir, il me reste encore la fin de mon sandwich et des fraises parce qu'on a quasiment pas. Moi, Merde. j'ai mangé un peu de fraises hier, mais pas beaucoup. J'en ai mangé trois. Et c'est des guinguettes, donc on va éviter de les perdre. Hein. À 5 balles, la petite barquette, on va éviter de les perdre. Hein. J'arrive, j'arrive. T'en es ta présentable ou pas? Ouais, vite fait. Vas-y. Ah. Voilà, petite Jen qui est occupée avec Moshin et Melba. Arrêtez! Elle se bat avec les chiens. Tu vois, Thomas, elle est pas si rayonnante que ça, hein. Elle fait un peu Non. peur, Oh, elle fait peur. hein. Oh, je suis méchante. Il est où, Charlie? Il est Dans là. sa garçonnière? Non, il est là. Sur la chaise? Ah non, il est là. Bah, elle t'a dit, je vais à la fenêtre. Ouais. Et voilà. Laissez-moi aller jeter mes plures. Non. Ma Non. fille est installée sur toi. Ouais, ben, je sens aller Chacha, ma tu viens voir fille. Tata? Charlie, Charlie. Charlie, tu viens voir Tata? Ouais, non, je me casse, vas-y, je te snob, c'est bien un chat. Et aller vers la fenêtre, je pense. Si t'arrives à virer ma fille. Alors, pendant que je dormais, il y a eu une catastrophe monumentale. Ouais, ce matin. Ouais, ce matin, oui, bah oui. Pendant Oui, que je à dormais, oui. 9h du matin, 9h du tranquille, matin, dans le fiac. Jen fait son café. Très bien organisé, hein. Voilà, Jen fait son café dans le silence, dans le noir et tout, voilà. Et en fait, Melba est arrivée en faisant des cabris sur Charlie.
Charlie a paniqué, a sauté un grand coup sur la table de cuisine et il a dû faire du surf. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il a glissé et il a shooté dans la tasse. Ce qui fait que Jen a pu rattraper sa tasse de café avant qu'elle s'explose sur le sol, mais tout ce qui était dans la tasse, bah, par terre, sur le chat, partout. Mon café tout neuf. Voilà, son café carte noire, carte d'or, comme elle dit. Elle veut dire carte noire, elle dit carte d'or. Hein. Elle m'a pas encore fait le côte d'or, mais bientôt il va arriver le café côte d'or. Hein. Non. Ah, parce que le Et café. j'avais pas bu mon café, j'ai dû tout nettoyer. Et Ouais. j'avais pas bu mon café, Non, elle hein. n'avait pas bu son C'était pas le café. deuxième ou le troisième, La tête non? dans le derrière, elle a dû tout nettoyer, le chat, le sol dans le noir, en essayant de faire du silence. Moi, j'entendais le bordel. Hein, quoi, j'entendais le bordel. Bah oui. Dans un semi-sommeil, mais j'entendais. Donc voilà, T'as c'était. pas vu la catastrophe? Non, j'ai pas vu la catastrophe. Bah, sinon, elle l'aurait senti, la catastrophe. Bah, elle est partie se cacher, Et hein. elle est partie se cacher. Bah, en fait, techniquement, elle a voulu jouer, sauf que Charlie, il a réagi pas Bah, comme il a il eu s'y peur, lui. attendait. Il a eu Lui peur. aussi, il n'avait pas bu son café, Et hein. Charlie, il n'avait pas bu son café. Bah, il l'a bu après son café. Ah oui. Sur les Walp. La Parce qu'après, ruche. Charlie fait quoi? Il s'est caché sous la table. Sauf que le café, il goûtait. Donc, il goûtait sur le chat. Oui, heureusement que j'étais pas là quand j'étais dans mon lit, parce que sinon C'est j'aurais. ça, 9 h du matin sans avoir bu de café. Et Non. ouais, dans le noir, elle était dans le derrière. Ah ouais, non, ça pique ça. Ouais, ça pique. Ça pique. Donc bon, bah voilà, petite catastrophe du matin. Après, elle s'est battue avec la fenêtre. Elle m'a raconté. Merde. Elle s'est battue avec la fenêtre. Ma fenêtre, elle est hantée. Elle la fermait. Et en fait, quand elle se remettait dans son lit, la fenêtre se rouvrait. Et Deux ainsi de fois. suite, deux fois. En fait, elle la fermait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, malheur. Il y a un trou. Ah non, il est 21h. Il a dû appâter hier. Non? Non. Félix. Non, tu as pas donné de pâté Ah non, hier. mais je vais lui donner Félix aujourd'hui. Non, oui, Félix. Ok. Ah, Charlie, il va avoir de la pâté pas premier prix, là. Hein. Attention, hein. Pâté Félix. Félix. Pas mes fondants, Charlie. Oh là, Charlie. Charlie, il a faim. Il y a un énorme Il trou y a dans un la énorme trou gamelle. dans la gamelle. C'est pas en français. C'est quoi le menu? Je cherche en français. Il y a tout sauf en français. Bah, traduit en anglais. Tout en gelée. Voilà, thon enjolé, t'as le français. Voilà, thon enjolé, Félix. Voilà, Non, non, tu attends. petit Tu Charlie en train de attends. manger dans le sachet. Tu attends. Il mange dans le sachet, il Tu attend. attends. Ah, c'est du Félix, ça te rappelle ta jeunesse? Tu attends. Oh putain, mais voilà, donc Jen se bat avec la fenêtre après s'être battue avec le café. Après, elle dit ta maison, elle est hantée. Non, juste que tu sais pas fermer la fenêtre, la tête dans le derrière. C'est bon ça. Voilà. Donc bon. Ah, Charlie est en train de dévorer sa gamelle. Donc Charlie a fait un petit tour dans la salle de bain. Il s'est fait laver aux gants. Ouais. Voilà, on n'avait pas le mettre dans la. Quoi, elle n'avait pas le mettre dans la douche. Hein. Il collait mon chat. Il collait. Bah oui, parce que Jen. Mais c'est Voilà. pas vrai. Voilà, exactement. Melba, vous avez entendu, Melba vient d'attaquer Canel. Mais Melba! non. C'est pénible, hein. Donc ouais, donc en fait, le truc, c'est que bah, Charlie, bah, il a nettoyé ses chaussettes. Ouais. Parce que ses chaussettes, elles étaient jaunes. Un petit peu les chaussettes. Non, les devants, c'est les sockets. Ouais. Il avait les chaussettes jaunes. Bah oui, en même temps, les chats, ils font dans leur litière. Ils restent dans leur C'est bon, litière. hein. Ah là, on n'existe plus. Ah ouais. La pâtée, c'est la vie des chats. Du temps en plus. Oui. Melba, calme-toi. Laisse ma fille. Oui, mon petit couillon. Oui, mon petit chien. Oh, bah oui, il fait câlin maman. Bah oui, câlin maman. Câlin maman, bah oui. Attends, attends, on te met dans la bonne position. Hop là. Attends, je te mets dans la bonne position, mon chien. Oui. Donc, va falloir démouler les fondants. Oui. Donc, Jen va s'y atteler. Voilà, je Tu sais pas quoi. sauras où je les range. Je vais les mettre dans des boîtes. Faut juste que j'écrive sur des feuilles quelle boîte correspond à quoi. Et puis après, bah, je me débrouillerai pour les boîtes. Puis après, bah, il faudra que j'aille acheter mes vraies boîtes. Et je ferai mes étiquettes pour les vraies boîtes. Voilà. Donc bon. Ça sent la cigarette. Ah ouais? Ouais. J'ai la tête dans la fenêtre. T'as été dans la fête. Ouais, non, mais après, mon fondant vient de s'éteindre. Donc je vais le rallumer, je vais le recharger un petit peu. Voilà. Le drive? De demain. Bah non, j'aurai mon argent cette nuit. Ah oui. Entre minuit et demi et 1h. Donc je ferai les courses. Mais j'avais pas percuté.
Cette nuit. Bah oui, on est que jeudi, hein. On est que le 4. Donc je ferai les courses, bien sûr je prendrai encore un bon d'achat. Et je dois faire le drive entre 11h30 et midi. Pour que ma mère nous emmène. Voilà. Donc ça veut dire se lever à 10h30. Ça va piquer? On n'est pas couché encore, tu pourras pas enchaîner 3 nuits blanches. Hein. Bah moi j'ai dormi cette nuit. Ouais. De fou même. Bah ouais, elle a bien dormi, elle m'a pas entendu. En même temps, vu la délicatesse à laquelle j'ai dit Jane dort. C'est normal qu'elle Quoi, m'entende pas. minuit et demi, 9 h? Ouais, mais non, tu t'es endormi pas à minuit et demi, un peu avant, un peu après. Ouais, entre minuit et demi et 1 h, Jane, je l'ai perdue. Et puis moi, je me suis dû m'endormir vers 1 h 30. Non. Si, 1 h 30. Je sais plus. De toute façon, j'étais encore en mode larve absolue hier. Quoi, cette nuit, après avoir dormi à peine 4 heures dans la journée, j'étais pas en état. J'étais pas en état de. Ouf! J'étais en état de bug total. J'étais vraiment épuisée. J'étais vraiment épuisée. Là, franchement, j'ai bien dormi. Puis après, je me suis retapé une petite 1 h 30, 1 h 30 de sommeil. J'ai pris ma douche, donc ça m'a réveillée. Mes cheveux sont dans quel état? Faut essayer de cacher le tronc, là. Voilà. Les garçons, je n'ai pas de nouvelles, personnellement. Mon chéri m'a dit, j'ai quelques trucs à faire ce soir, donc je ne sais pas si on vient, mais il va faire ses trucs, il va se poser, il va s'endormir. Je connais les garçons maintenant. Voilà. Mais on ne les aura pas vus depuis samedi. On est jeudi. Là, qu'est-ce que c'est dur. Bah oui, c'est dur. J'ai Toi, l'habitude. t'as l'habitude, mais pas moi. Pas moi, j'ai pas l'habitude. Je pensais même plus. Tu pensais plus aux garçons? Si, je pense au garçon, mais je pensais plus que c'était samedi. Ah si, on les a vus samedi. Là, le jour du changement d'heure. Ah oui, c'est vrai. Donc bon, c'est la galère. Voilà. Donc ouais, donc là, nous n'avons pas eu de commande aujourd'hui. Ça va pas. Ça va pas. Moi, ouais, ça va pas. Nous n'avons pas eu de commande aujourd'hui. Donc je rappelle que pour passer commande, vous êtes sur mon site Les Fondants Parfumés de Nano. .com et que si vous n'avez pas encore bénéficié du code HOP bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum. Voilà. Je rappelle que les prix vont de 70 centimes à 7 € pour le format le plus gros. Désolé, Charlie parle. Et après, je rappelle que certains fondants classiques sont passés à 65 centimes. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le site. Vous avez aussi les diffuseurs pour voiture et les poudres. Excusez-moi, les poudres parfumées pour respirateur. Non, 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 j'ai voulu respirer et j'ai eu un bug. C'est la cigarette. Ça m'a coupé ma respiration. Ça m'arrive des fois. Quand il y a une odeur qui. Ça m'arrive. Ah, Ne je suis vous pas inquiétez parfaite, je suis pas rayonnante. pas. Non, elle n'est pas parfaite, pas rayonnante. Voilà. Ah C'est bah gentil. muffin. Monte tes amygdales aussi. Donc voilà, donc après vous retrouvez donc les diffuseurs pour voiture, les poudres parfumées pour aspirateur ainsi que mon roman. Le roman, je vais pas revenir dessus, juste que c'est pour un public averti. Voilà, juste que c'est pour un public averti. Voilà, donc là j'ai mis mon café au frigo parce que je l'avais pas, j'ai à peine bu du café. Et quand je me suis endormie, je vais le mettre au frigo. Donc là, je bois du fusti. Voilà. Je bois du fusti. J'ai pas pris mon apéro. Moi, il y a encore mes trucs à la pizza qui m'attendent. J'avais oublié ça, les chips. Je les ai cachés. Les chips aussi. Je sais plus où je les ai mis. Non, je sais plus où elles sont. Je vais te les retrouver. Donc voilà. Donc ouais. Donc là, écoutez, je vous dis à toutes. Allez, Jen va démouler. Donc on commence par Musc. Allez. Comment il est? C'est chaud. C'est chaud. Joli, hein? Il y a des paillettes partout. Charlie aux paillettes, hein. Ah ouais. Melba, tu fais quoi dans la litière? Donc c'est Jen qui a choisi les paillettes, hein? Oui, je suis très paillette dans ma vie. C'est joli. Bah oui, c'est joli.
Ah, bah c'était à prévoir, Charlie s'énerve. Bah, il Mais sent c'est énervé sur ma fille. près du sac à dos, je crois. Ça passe pas. Et c'est joli. Hein. Ouais. Non, pas ma tête. Si, si. Pas ma Mais si, ta tête. tête. Je suis en plein travail. On s'en fiche, c'est pour Thomas. Bah, d'accord, super, je suis rayonnante. Bah Rayonnante de ouais. paillettes. Ah ouais, mais toi, des paillettes sur la gueule, tu verras, tu seras Et moi, ça rayonnante. va aller. Et voilà. Voilà, donc là, c'était muscle. Ok. Ensuite, nous avons bois d'ébène. Donc, le bois d'ébène, c'est celui-là. Ben non. Où tu viens les Fais paillettes? voir. Je vous montre s'il est chouli. Oh. Waouh, faut que je le remette bien. De quoi? Là, il y a de la cire à retirer sur le côté. Mais ça, je le ferai. Ça me plaît pas comme ça. Allez. C'est chouli. Est-ce que ça sent bon? Oui. T'as pas d'odeur, en plus on a l'odeur citron meringué dans les narines. Ouais, un azur. Allez, t'as du Oh, mal? ben non, c'est qu'il résiste celui-là. Prouve que tu existes. Hey. C'est pas si, c'est très chouli, hein. Moi, j'ai l'odeur de fraise menthe dans les narines. C'est satisfaisant. Ah oui. Quand ça veut bien. Melba. Et le Et dernier. Ok, voilà. bois d'ébène, c'est bon. Ensuite, nous avons le papa poulpe. Oui, Papa j'écris poule. très mal, hein, c'était une ancienne boîte. C'est le papa poulpe. Papa poulpe. Ouais, donc il est là-bas. Le papa, oui, ça a débordé, il faudra que je vire tout ça. Poulpe, alors voyons, voyons. Waouh! Wow. Non, il est joli. C'est joli. Mais oui, c'est joli. Jen, la pro du démoulage. Vachement, c'est dur, oh là là. Bah ouais. C'est difficile de les casser quand même, hein. C'est que les tablettes qu'on casse. Que je casse. Parce que je ne me suis pas essayé aux tablettes encore. Oui, Hein. bah je galère déjà moi-même. Allez, mon petit. Papa poulpe. Non, pause. Je vais en avoir plein les ongles, ça servait bien de faire les doigts. Oui, il est très joli celui-là aussi. Hein. Jen qui a choisi la couleur des paillettes et la couleur du mica. Pour papa poulpe. Pour papa poulpe, hein. Si ça sent l'homme. Ah si, ça sent l'homme. Donc papa poulpe, c'est bon. Non, papa poule. Papa poule. Oui. Ok. Ensuite, nous avons donc bonbon. Qui sent le... Bonbon, le bonbon. Ça sent l'arlequin, on ne sait pas vraiment ce que ça sent. Ça sent fort en tout cas. Ouais. Est-ce que c'est chouli? C'est moi qui ai choisi là. Ça a pris de mille feux. Un Eh petit ben, souci? ah, ils sont plus Ouais, faut. moins étoilés. C'est un taf, hein? Bah oui. Oh, j'ai mal au dos, ça. Maman? Ça, maman. Allez, sors de ton œuf. Que ton œuf. Oh, ça c'est Jean-Mi. C'est Nanar. Nana. On dit pas que Nanar, il a encore faim? Ah non, justement, je pense qu'il s'est dit j'ai un petit peu trop mangé là. Les mélanges. Nuit.
Désobéissance. Donc je vais aller laver les moules, donc je vais virer mes draps dans la machine. Et je vais aller laver les moules. Toujours dernier résiste, hein. Donc bonbons, c'est bon. Ils sont jolis, hein. Comme c'est bonbons Schtroumpf de base, j'ai fait le bleu et du rose. Ouais. Ça fait bonbon. C'est très joli en tout cas. Ensuite, nous passons à banane. Bon bah celui-là où c'est qu'il sent, hein. Oui, ça sent le Haribo banane total, hein, je vous préviens. Si vous aimez les odeurs de bonbons. Ah ouais. Le travail de Jen. T'as vu un peu? Moi non plus, j'ai plus de dos, hein. Faut pas croire. On est cassé, on est des vieilles. C'est ça. Oui, t'as pas besoin en fait. Ah bonbon banane hein, total. Hein. J'aurais presque pu l'appeler bonbon banane aussi. Hein. Oui. Mais ce sera banane quand même. Bah. Ah, ils sont après. Après Très canon. canon. Oh non! Banane, C'est c'est bon. bon! On passe à Ah, je suis paillette, je suis paillette. menthe basilic. Celui-là aussi, ils sont très bons. En fait, ils sont tous très bons, hein. Hop là, le menthe basilic, c'est celui-là. Je m'en serais douté au vu de la couleur. Alors, menthe basilic. C'est pas passé. Bah, les paillettes ne ressortent pas assez. Ouais, les paillettes. Ça fait des vacances. Ouais, en fait, les paillettes, t'as mis presque la même couleur dedans, à Ouais. mon avis. Mais ça se voit quand même. Ouais, bah, si on fait comme ça, attends. Mes mains le savent, elles. Si on fait comme ça, on le voit bien, regarde. Attends. Ouais, on les voit, ouais. Oui, c'est vrai. Ça sent bon, ça. On les bouffe. Ça se mange pas. C'est vrai. On l'a assez répété au marché de Noël. Les pauvres enfants. Les pauvres enfants. Même les adultes, hein. Oui. Vous connaissez les fondants? Non, mais on n'en mange pas. Ah, c'est normal, ça se mange pas. Vous pouvez essayer, hein. Je promets rien, là. Oh, l'état de la table, j'aurais plus qu'à tout laver. Et Et voilà. la ranger. Donc, fraise, non, menthe basilic, c'est bon. Et ensuite, il nous reste donc fraise. Et menthe douce. Attendez, j'ai Un bug. je vais mettre les petites boîtes après. Fraises et menthe douce. Est-ce que mes paillettes vont bien rendre? Ouais, ça va. Mais elle va bien, hein. En plus, elle range dans la boîte, hein. Mais attends, je détente en plus. Bah oui, elle range. Parce qu'après, elle va déranger pour les emballer, donc. Quand j'aurai mes nouvelles boîtes. Ouais. Ça va me faire une petite occupation. Façon, faut que j'imprime les CLP aussi. Oui. T'es plus rangé, là, hein. J'arrive. Tu ne touche pas. Mais si lui va là, c'est qui va là? Casse-couille. Tout est chronologiquement pensé. Non, pas du tout. Un peu quand même. Mais non, là, t'en as trois, t'en as quatre, tu sais pas C'est pourquoi. dans ma chronologie à moi. Ah, ouais, ton esprit, il est pas droit non plus, Non, donc. ça, il est pas très droit, non. On se demande si. Non, pas ma tête. Oh, surtout que t'es en gros plan, en plus. Oui, bah, petit plan. Finito pipo. Finito pipo? Finito pipo. Voilà. Le démoulage est fait. Voilà. Ma tête. Merci, Jen. De rien.
tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Mimosa et Fleur de Lotus. D'accord. Il est 1h18, je viens de faire le tirage au sort du fondant de demain, donc il sera le fondant Mimosa Fleur de Lotus. Je le sors de mes stocks, je l'enlève de ma liste de plouf plouf. Et voilà, donc en gros, là vous avez eu un vlog où en gros j'ai papoté pendant un quart d'heure. Après il y a 10 minutes de démoulage de fondant. Bon, c'est pas grave, voilà. C'est Jen qui prend son temps pour les fondants. Qui cholit, voilà, elle a fait choli les fondants. Après, j'ai mis les moules à laver. Donc là, je viens de les sortir de la machine à laver. J'ai remis donc mes draps dans la machine. Donc ouais, donc là, on va pas tarder à se coucher. Parce qu'on doit se lever à 10h30. Puisque en gros, j'ai fait mes courses. Et c'est un retrait en magasin, un retrait en drive entre 11h30 et midi. Ma mère ne pouvant pas... ne pouvant pas après ni avant, puisqu'elle travaille et l'après-midi, elle a un rendez-vous, voilà, un rendez-vous médical. Et après, bah, de toute façon, vaut mieux pas que... Après, de toute façon... Il y avait les bouchons. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle devait aller chez une patiente, elle m'avait dit. Et comme il y aura ma nièce risque de venir ici, mon téléphone sera en silencieux, je risquerai de dormir, à mon avis. Il y a des chances que je dorme, hein, ça, voilà, faut pas s'étonner, il y a des petites chances que je dorme. D'ailleurs, faut que je rappelle à ma mère que sur le retour, faut qu'elle aille à la gare prendre des tickets de train. Elle m'avait dit de prendre des tickets de train. Donc voilà. Ouais. Donc là, c'est la galère. Je l'avoue que je commence à fatiguer. Pourtant, j'ai pas trop mal dormi aujourd'hui, mais j'ai tellement mal au dos. Le Doliprane ne fait pas effet. Ne calme pas la douleur. Et puis comme j'ai filmé 10 minutes debout tout à l'heure, le dos n'est pas content. Jen ne dort pas encore. Non. Non. Mais elle va pas tarder. T'as pris un médoc pourtant. Donc bon, on va pas tarder à se coucher. Voilà. Donc moi j'ai encore le montage du vlog à faire. J'ai encore le montage du vlog à faire. La miniature, tout ça, le mettre en ligne pour 8 heures. Donc je pense que je vais clôturer ici parce que je n'ai plus trop de choses à dire à part que les garçons ne sont pas encore venus et j'ai l'impression que ça va être mort pour quelques temps. Mon chéri est encore endormi. Je ne sais pas s'il travaille samedi. Parce que s'il ne travaille pas samedi, il pourrait venir demain. Mais je ne sais pas. Parce que le chéri de Jen a un petit souci. T'es fâché, d'accord. Tu vois, on peut être fâché hein, par les mecs. Hein. Ouais. Donc. Oh, moi, si je le revois dans un an et demi, ça va. Hein. Ah bah super. Bonne moyenne. Bonne moyenne. C'est grave. Donc écoutez, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez toutes les cloches de notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut.